Bonjour tout le monde. Nous sommes actuellement au musée de la mine de Champagnac et je profite d'être ici et devant cette plaquette et parlant du travail des chevaux la mine pour vous parler de ce sujet. En effet, dans les mines, que ce soit en France ou ailleurs, beaucoup de chevaux ont été utilisés. Et pas que, on a utilisé également des ânes, des mulets, des poneys. Et on les utilisait aussi bien en surface qu'au fond. Pour ce qui est de ceux au fond, la plupart du temps, ils restaient au fond. Tant qu'ils pouvaient travailler, ils restaient au fond. Il remontait soit mort, soit quand il ne pouvait plus travailler, et souvent pour aller directement à l'abattoir. Donc, il fallait installer au fond de la mine une écurie pour s'occuper d'eux, également une forge pour que le maréchal Ferrand puisse descendre et également s'occuper d'eux. Pourquoi utilisait-on ces chevaux? Parce que pour déplacer le charbon au fond des puits notamment, il faut une force. Au début, ça a été la force humaine. Mais rapidement, elle est devenue insuffisante parce que les besoins en charbon augmentant, l'industrialisation se développant, il fallait de plus en plus déplacer du charbon, l'humain ne suffisait plus. Or, la machine à vapeur, qui était un peu la seule autre source d'énergie disponible à part la force animale, posait quelques problèmes au fond, notamment l'évacuation de la vapeur, déjà qu'on a du mal à évacuer le grisou et la poussière de charbon qui s'accumule. La vapeur en plus, c'est compliqué. Et puis en plus, le problème, c'est que je vous ai dit, le grisou, la poussière, tout ça, c'est très inflammable. Or, la machine à vapeur utilise de la combustion. C'était donc dangereux. Il ne faut pas de machine à vapeur au fond. Donc la solution, ça a été le cheval et les autres équidés. On utilisait des chevaux de trait la plupart du temps, donc des animaux assez costauds. C'était capable de tirer donc de grands poids. On les choisissait avec des bons sabots parce qu'au fond de la mine, ils marchent sur des rails, ils marchent sur de la roche. Les sabots s'abîment vite. Donc il faut des bons sabots. Le problème aussi, c'est que certaines galeries étaient assez étroites. Là, on voit un cheval un peu à l'étroit dans une galerie. Je vous montrerai ça au montage plus près. Mais donc, clairement, c'était compliqué dans certaines galeries. Donc, il fallait parfois des animaux plus petits. D'où les poneys, les mulets et les ânes. Du coup, en France, cette utilisation des chevaux a commencé en 1821 dans la Loire, 1847 dans le Nord à Anzin, et ça a commencé à décliner dans les années 1920 avec l'utilisation d'électricité qui a permis de remplacer le cheval. Ainsi, en 1926, il y avait encore 10 000 chevaux au fond des mines. Ils n'étaient plus que 130 en 1960 et le tout dernier cheval en France à remonter, ça a été en 1969. Comme je vous l'ai dit, cette utilisation des chevaux a eu lieu dans plusieurs pays. En Belgique, ça a commencé au moins en 1823. Au Royaume-Uni, ça a commencé autour de 1750. Et ça s'est terminé en 1999, donc plus tard qu'en France. On voit que l'usage des chevaux là-bas a été plus long. Et même en quantité, ça a été plus important. Même si là-bas, c'était beaucoup des poneys. En 1913, il y avait 70 000 poneys qui étaient utilisés dans les mines au Royaume-Uni. On peut aussi parler du cas des États-Unis où l'utilisation des chevaux et des équidés en général a duré de 1805 à 1970. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau. D'aller au galop. Le cheval, c'est génial. Et du coup, puisqu'on est à Champagnac, qu'en était-il là-bas? Alors oui, là-bas, les chevaux ont aussi été utilisés. Beaucoup aussi en surface quand même, pendant longtemps, pour déplacer le matériel des charbons sur le carreau de la mine ou envoyer le charbon à la gare pour qu'il puisse être vendu. Il y a eu jusqu'à un total de 100 chevaux ici, une centaine, et le ratio a été à peu près de 2 en surface pour 1 au fond. Donc il y avait une trentaine de chevaux au fond, là aussi ils vivaient dans leur écurie, il y avait la forge pour le maréchal Ferrand, je vous montrerai une photo de la restitution, je vous montrerai une photo d'une reconstitution de cette forge-là au montage. Et ils y passaient une fois qu'ils survivaient à ces premières semaines assez compliquées parce que il fallait s'habituer, beaucoup mourir dans ces premières semaines. En plus, il y avait le traumatisme de la descente, on va en reparler après. Mais la descente, c'est un moment difficile. Donc, un certain nombre mouraient dans les premières semaines. Ceux qui survivaient pouvaient passer une dizaine d'années à peu près à travailler, ce qui leur donnait une espérance de vie entre 15 et 20 ans. Pour comparer, les chevaux en surface, c'est 25-30 ans. Donc, on voit que l'espérance de vie était raccourcie par ces terribles conditions, le manque de lumière, la chaleur et notamment les problèmes respiratoires dont ils devaient souffrir tout autant que les mineurs, ils devaient souffrir de la silicose, même si ça leur était pas diagnostiqué sur les chevaux évidemment, mais on se doute bien qu'ils avaient ces problèmes là. Ça n'empêchait pas les mineurs, ici en tout cas, et ça peut être le cas ailleurs aussi, de bien les traiter. Il y avait une affection pour ces animaux, cette vie qu'on trouvait au fond. Il y avait, voilà, le fond, la mine, c'est un endroit assez inhospitalier, assez peu vivant. Et le fait d'avoir d'autres vies, c'était quelque chose que les mineurs pouvaient aimer, c'est ce qu'on a dans les témoignages. En plus, à Champagnac, chaque cheval avait son conducteur attitré, donc il y avait un lien qui pouvait se créer entre la bête et l'animal, donc ça créait aussi une proximité.
On voit des témoignages des mineurs qui parlent de l'intelligence de ces chevaux, qui peuvent compter les bennes, qui refusent de les tirer lorsqu'il y en a trop, lorsqu'on en a plus que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, et qu'ils n'essayent même pas de tirer, ils savent qu'il y a trop de bennes. Il y a aussi des chevaux qui savent comment faire dérailler les bennes, comme ça ils ont envie de s'arrêter de travailler, ils font dérailler, et le temps qu'on remette, ils sont en pause. On a aussi le cas de chevaux qui essaient de piquer la gamelle de leur conducteur qui mange pendant la pause repas, parce qu'ils mangent au fond de la mine. Donc je vous montrerai une photo aussi de ça. On voit aussi, je vous montrerai aussi au montage une photo du cheval et de son conducteur. On voit une certaine proximité entre les deux. Mais malgré tout ce bon traitement, la vie au fond de la mine était trop difficile et ça raccourcissait leur vie et ils en souffraient. Donc maintenant, on va parler de la descente. Et du coup, la descente. Alors là, on voit une photo du coup de comment se passait la descente. On voit le cheval qui est attaché un peu de toutes parts. Vraiment, il est vraiment ensaucissonné. Et il est soutenu. Alors là, c'est plutôt des cordes, mais régulièrement aussi, ça pouvait être des câbles en métal. Et ensuite, il est descendu comme ça à la verticale. Il faut savoir que le cheval, lorsqu'il ne touche pas le sol, il se paralyse de peur. Du coup, il ne débattait pas. Donc, c'était plus simple pour le descendre, mais ça montre qu'il avait peur, quoi. Et ça rajoute à l'aspect traumatisant de pouvoir avoir cette descente. D'autres endroits, ils ont pu, par la suite, quand les ascenseurs sont développés, utiliser des ascenseurs. Alors là, c'est une descente qui date de 1920. Alors ici, je n'ai pas vu de trace d'utilisation des ascenseurs pour descendre des chevaux. Mais on avait des ascenseurs ici, déjà pas dans tous les puits, et c'était pas l'endroit où on avait les ascenseurs les plus gros. D'autres mines avaient des ascenseurs plus gros, plus imposants, et peut-être que c'est pour ça qu'on ne les utilisait pas ici pour descendre les chevaux, les puits n'étaient peut-être pas assez larges pour les descendre à la verticale, les ascenseurs pas assez en mesure d'assurer la descente d'un cheval. Mais dans d'autres endroits, l'ascenseur est utilisé. Par contre, partout au début, c'était ce système-là, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur au début dans toutes les mines. La plupart des mines, enfin au tout début, au 19e siècle, l'ascenseur était rare encore. C'est par la suite qu'il s'est développé. Donc on voit que la descente est quand même loin d'être simple. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne voulait pas les remonter et les redescendre, c'était toute une opération. Mais du coup, la pauvre bête passait sa vie au fond sans jamais revoir le soleil. Et du coup, ici, quand ils n'étaient plus en état de travail, soit ils étaient morts, soit s'ils n'étaient plus en état de travailler, ils étaient montés, les yeux bandés pour pas qu'ils les yeux agressés par la lumière, et ils étaient envoyés à l'abattoir de Bort-les-Orgues. Et donc à peu près à 15-20 minutes aujourd'hui. À l'époque, c'était sûrement plus long pour les transporter, mais c'était le plus près, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. C'était une vidéo assez courte, mais qui donnait quand même une petite astuce sur cet aspect de l'histoire des mines, qui n'est pas forcément le plus connu. On parle des mineurs romains, mais c'est important, il faut en parler, parce qu'ils ont beaucoup contribué au développement du pays, et ils ont beaucoup souffert pour ça. Ils se sont également beaucoup battus régulièrement dans l'histoire, notamment par exemple dans la résistance, beaucoup de mineurs ont été dans la résistance, il y a eu des grandes grèves contre l'occupant, par exemple dès 1941, dès mai 1941, mais les chevaux sont souvent moins, on en parle peu, et c'est bien aussi de rappeler qu'il y a eu ça, que ces animaux ont souffert au fond de la mine, mais qu'ils ont participé à cette histoire de la mine. Donc j'espère que ça vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça aussi c'est sympa. Vous pouvez également commenter pour poser des questions, apporter des compléments, dire ce que vous avez pensé de la vidéo, faire des remarques constructives. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'espère que le son a été correct parce que c'est la première fois que je tourne ici dans le musée de la mine, d'ailleurs que je remercie d'avoir accueilli ce tournage. J'espère que l'écho n'a pas été trop important. Avec ce micro, normalement, c'est bien mieux. Mais c'est surprise. Mais je me suis dit que pouvoir tourner dans ce cadre, c'était sympathique. Ça changeait du cadre habituel. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, soirée, nuit, ce que vous voulez, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Au revoir tout le monde !